Quel conseil donner à un jeune écrivain? Tout d'abord, la régularité. Je crois que même si on n'a pas un talent inné, le seul fait de travailler tous les jours nous oblige à nous poser les bonnes questions et notamment à comprendre comment fonctionne le suspense et comment on peut créer l'épaisseur d'un personnage. La régularité permet aussi de transformer son imaginaire en muscle. C'est-à-dire au bout d'un moment, l'imaginaire va fonctionner sans aucun effort. C'est exactement comparable à un marathon. Il faut trouver une régularité, on trouve un souffle, et au bout d'un moment, il n'y a plus d'effort, il n'y a que l'émotion. Et en même temps, plus on le pratique, plus c'est facile de le pratiquer. Si on écrit tous les jours, on doit être obligé de se relire, et si on écrit des choses ennuyeuses, la relecture est pénible. Deuxième conseil, chercher l'originalité. Dès le moment où on écrit quelque chose et on se dit, tiens, ce thème a déjà été abordé ou ce sujet a déjà été traité de cette manière-là, mieux vaut renoncer. Donc, envie de se démarquer, envie de trouver des sujets originaux. Dans les masterclass, je leur dis, cherchez le sujet le plus inintéressant et à partir de là, commencez à réfléchir comment le rendre intéressant. Même sur les fourmis, j'ai choisi les fourmis parce que ça me semblait un sujet a priori inintéressant que je comptais rendre intéressant. Le mécanisme de recommencer à zéro ne peut faire que du bien à un roman et que beaucoup de gens pêchent parce qu'ils veulent à tout prix rafistoler une version qui ne fonctionne pas. C'est un peu comme une barque où il y a des trous, il y a des trous dans la coque, alors on met des rustines, on met de plus en plus de rustines. Au bout d'un moment, tout le bas de la coque de la barque, c'est des rustines, alors qu'il vaut mieux revenir avec sa barque, reconstruire une barque dans laquelle il n'y a pas de trous, et là, à ce moment-là, on prend la mer et ça tiendra mieux le choc. Je crois qu'au premier jet, il est très difficile de tomber pile sur l'œuvre parfaite. Donc, ce que je conseille, c'est de faire un premier mauvais jet, une première lancée qui fonctionne plus ou moins bien, à partir de là réfléchir pour refaire une deuxième version qui va tirer le son de tout ce qui ne fonctionne pas dans la première version pour s'améliorer. Sur mon dernier roman, Depuis l'au-delà, j'ai fait 11 versions complètes sans me relire et sans prendre de bout, sans faire de copier-coller. Le seul fait de se remettre à zéro pour faire un nouveau plan et de réécrire un nouveau livre fortifie et purifie le livre. C'est un peu comme pour une épée, il faut faire l'acier trempé, c'est-à-dire on le remet dans l'eau, on le reforge, on remet dans l'eau, on reforge. Faites attention à votre plaisir d'écrire. Si vous n'avez pas de plaisir d'écrire, il y a peu de chances qu'on va avoir du plaisir à vous lire. Donc pensez à faire quelque chose qui soit agréable déjà pour vous à l'écriture et à la relecture pour que ça puisse être agréable à la lecture déjà pour le lecteur. Être écrivain, c'est pas juste rechercher ou la gloire ou la fortune, c'est aussi prendre du plaisir à raconter une histoire. Et pour moi, il est très important de ramener ce métier à ce qu'il est depuis le début, un métier qui est fait pour faire rêver les gens en leur faisant imaginer des personnages et des situations qui vont les forcer à se poser eux-mêmes des questions. La source de ce métier, c'est le raconteur d'histoire au coin du feu de la préhistoire. Et la fonction de ce raconteur d'histoire au coin du feu, c'était de réunir le village et de lui donner une culture à partir d'histoires, que ce soit des chasses, des guerres, des drames. Mais ces histoires, au bout d'un moment, créaient une sorte de lien spécifique dans le groupe et permettaient au groupe aussi de résoudre des problèmes sociaux. Les livres et les histoires ont ce pouvoir extraordinaire de faire que tout d'un coup, les gens vont se mettre à vibrer ensemble autour de mêmes personnages et autour de mêmes situations qui vont les obliger à se poser des questions sur eux-mêmes. Et puis peut-être, à un stade avancé du roman, quand on est complètement perdu, qu'on ne sait pas trop quoi penser de son travail, il faut le donner à lire à quelqu'un d'extérieur. Mais il faut se méfier de deux sortes de lecteurs, ceux qui trouvent que c'est bon et ceux qui trouvent que c'est mauvais. Ceux qui trouvent que c'est bon, ça veut dire juste qu'ils veulent vous faire plaisir et qu'ils ne veulent pas vous vexer. Et ceux qui trouvent que c'est mauvais, ça veut dire qu'ils veulent vous faire un coup de vache. Donc les deux ne présentent pas d'intérêt. Un bon lecteur va vous dire j'aime bien le début, j'aime pas le milieu, à la fin tu pourrais trouver autre chose. Ou il va dire tel personnage ne sert à rien. C'est-à-dire il va donner un conseil pratique, direct, précis. Si c'est juste c'est génial et je suis sûr que ça va marcher, ça c'est le genre de conseil qui ne sert à rien.